Les filles et les garçons, oh là là là, je suis trop contente de vous retrouver et de passer un petit moment ensemble. Ah, je suis trop contente, trop contente. Regardez, on va faire ensemble. Bon, je l'ai collé, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai décollé. Hein. On va faire ensemble un petit tuto. Petit papillon. Alors, je vais essayer, voilà, de l'approcher, celui-ci, vous voyez. Donc, il y a des petites fleurs. Je l'approche pas trop hein, pour que ça fasse focus. Des petites fleurs et j'ai mis des petits pistils. Et voilà. Et on obtient donc une petite guirlande de papillons. Voilà, du coup, bah, je l'ai mis là. J'ai pris un petit morceau de double face. Et hop. Voilà. Celui-là, on va mettre comme. Ouais, parce qu'il faut que le. Ouais, c'est parce que c'est pas bien. Voilà. Comme ça, là, comme ça, là. Parce que j'ai mis du. J'ai voulu mettre du. Comment on appelle ça? J'appelle ça du froufrou, moi. Comment. Mais du coup, il tourne un petit peu, vous voyez? Enfin, Ah, je suis trop content. Alors, j'avais. Comment je vais vous montrer, en fait, parce que. Attendez, où je l'ai mis? Il est où? Oui, j'avais un petit kit. Vous savez, de petites fleurs comme ça. Et puis je me suis dit, ah, tiens, c'est sympa ça. Alors du coup, ça m'a donné l'idée en fait pour. Comment? Pour faire. En fait, moi j'avais envie de faire des papillons. Attendez, attendez. Non, ouais. Avant de commencer toute chose, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Où est-ce qu'il est mon. Ouais. Donc. Parce que j'ai noté les noms. Alors voilà, j'ai bien reçu les filles vos participations pour le concours. Ouais, là, 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 je suis trop contente. Il me tarde de les ouvrir, mais je ne vais pas les ouvrir maintenant parce que je vais faire une vidéo où vous verrez ma tête. Donc ouais, j'avais dit je vais essayer. Hein. Bon, bah, peut-être qu'il y a des moments où ça sera pas possible, mais là je veux encore donc. Partager ce moment avec vous et de vous regarder et pour vous remercier. Voilà, je suis trop contente. Merci, merci, merci encore les filles. Donc, alors j'ai remercié. Oui, parce que je voulais vous envoyer un mail pour dire voilà, j'ai bien reçu. Hein. Mais le problème, c'est que bah, il y a des personnes que je ne sais pas en fait au niveau du mail. C'était quoi votre pseudo? Alors bon, Patricia, toi Patricia, je t'ai envoyé un email. Hein, donc voilà. Marina, par contre, je savais pas du tout comment te contacter. Ce que je savais pas du tout ton pseudo parce que c'est pas encore ouvert donc je sais pas ensuite ma petite Déborah c'est pareil je t'ai envoyé je t'ai mis un message sous ma vidéo hein, donc voilà et par contre j'avais reçu aussi donc mais là comme il y a le nom simplement là, attendez je vais cacher qu'est-ce que je fais moi je mets un truc pour cacher l'adresse ça va pas ça n'importe quoi. Oh non, mais ça va pas. Donc, voyez, j'avais reçu. Non, je ris parce que j'avais pris un espèce de morceau de chiffon pour cacher l'adresse. N'importe quoi. Voilà, tu vas reconnaître. Hein. Donc, voilà, c'est pareil. Donc, je l'ai reçu. Donc, je vous dis merci, les filles. Et non, bah, parce que bon, j'aime bien vous dire quand je l'ai reçu. Hein, voilà, hein. C'est normal. Hein. Bon, donc, voilà. Donc, donc là, la prochaine vidéo après le tuto, ça sera vidéo balle. Bon voilà, bon alors donc qu'est-ce j'en étais où là? Ouais, mais bon bah voilà, attendez, ma rechute, ma chute, ma rechute, n'importe quoi, moi tiens. Alors, on va prendre donc. Ouais, donc j'étais en train de penser à quelque chose, c'est que moi j'ai utilisé, vous voyez sur cette planche de dice. Voilà, attendez, ah oh, on va baisser, attendez, qu'est-ce que je fais là? Je vais baisser, bah voilà, comme ça. C'est mieux, hein, là, comme ça, je pense. Hein. Et au fait, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va, bah oui, je continue toujours les antibiotiques et puis voilà quoi. Hein. Donc voilà. Alors donc vous voyez, j'ai fait celui-là, mais je n'aime pas. Parce que pour une guirlande de papillons, moi je veux vraiment du plein. Un papillon plein. Vous voyez, donc comme ça, quoi. Hein. Qu'il soit carrément plein. Et voire rajouter des petites fleurs, après ce qu'on veut. Mais vite comme ça, non, je vais le garder, bien sûr. Pour, je sais pas, un embellissement. Donc, vous voyez, ça, mais j'ai voulu quand même vous le montrer parce que si vous avez envie de jongler avec les deux dies, voilà ce que vous allez obtenir. Hein. Donc, vous aurez votre vide, votre papillon plein plutôt, votre papillon plein, et puis après, bon, on colle l'autre papillon
l'autre découpe, hein, vide. Et voilà, voilà ce que vous avez. Voilà. Puis après, j'ai remis un petit morceau de satin. Voilà, je mets comme ça. On l'approche sans trop trop l'approcher. Voilà. Voyez? Voilà. Donc, moi, donc, je disais, je vais faire simplement le petit. Comment le plein. Ah! Bon, voilà. Alors, j'ai déjà fait mes trois découpes. En fait, il vous en faut quatre. Hein? Il faut quatre découpes. Voilà. Donc, je vais les mettre comme ça. Voilà. Et on va en faire une ensemble. Bah oui, parce que ça, je me suis dit, bon, c'est pas la peine, autant que je le fasse avant, vous voyez. Bon, ça, j'ai peut-être pas besoin de garder tout ça, parce que ça va plutôt me gêner. Voilà. Et toc. Voilà. Puis après, je vous montrerai pour le reste, mais pour l'instant. Alors ça, ce papier que j'ai pris, moi, c'est les blocs de 1 kg, hein, de chez Action. Alors, là, après, je vous montrerai pour les petites fleurs, ce que j'ai utilisé. Mais pour l'instant, comme je dis toujours, chaque chose en son temps. Donc là, on fait dans un premier temps, donc, les découpes. Oui, j'avais envie de... Bah, j'avais envie de rose. Voilà, comme ça j'ai mes quatre papillons. Ça, je peux maintenant. Voilà, je peux ranger. Toc, voilà. Ça ici, j'en ai plus besoin, je range. Alors, et le dies, c'est pareil. Alors, donc on a nos quatre papillons. Maintenant. Voilà, moi j'ai pris ce petit bloc, c'est pareil, de chez Action. Alors là, je ne peux pas vous montrer sur les feuilles parce que j'en ai plus. J'ai pris celui-ci. Voilà. C'est ce papier-là. Hein. Donc c'est pareil, j'ai pris une chute, c'est rien que pour vous montrer. J'ai pris une petite perfo. Comme j'en avais en fleurs. Mais je veux dire, j'ai une... Comment? Si vous n'avez pas une perfo fleur, c'est pas grave. Je veux dire, vous avez une perfo, comment, une ronde. C'est parfait, hein, je veux dire, il n'y a pas. Après, on prend ce qu'on a sous la main. Hein. Alors, je fais ma petite. Voilà, ma petite découpe. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Je mets de côté. Et ça, c'est pareil. Je vais le laisser là. Mes petits pistils, on va les laisser là. Alors. Ça, c'est un petit bout de je ne sais quoi. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comment dire, on va coller directement, vous voyez? On va coller directement. Alors, moi, j'utilise mon feutre-colle qui vient de chez Action. Je le dis parce que la dernière fois, on me l'avait demandé. Quelqu'un qui m'avait demandé, où est-ce que, Nathalie, où est-ce que tu as acheté comment? Moi, j'appelle ça un feutre-colle, ça s'appelle pas comme ça. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, hein. Et donc, du coup, j'avais dit, bah, je l'achète à Action. Alors, donc, on va prendre, hein, donc ça, c'est l'endroit. Ici, l'envers. Donc, nous, on va coller sur l'endroit. Parce qu'on va travailler sur... Voilà. Donc, on va coller une fleur ici et une fleur ici. Vous voyez? Donc, on en met une là et une ici, hein. Alors, quand on a collé nos fleurs, ce qu'on va faire, c'est quoi ça? C'est un bout de... Hop. On va donc plier. Alors surtout, oui, c'est ça que j'allais dire, parce que j'avais, moi, je voulais aussi faire des nuages. Le problème, c'est que le dies nuage, il n'était pas identique des deux côtés, et c'est pas. Et là, on peut pas. On peut pas. Si vraiment vous voulez choisir un autre dies, que ce soit des fleurs ou que ce soit éventuellement même, je ne sais pas, moi, des nuages ou autre, il faut impérativement que votre dies soit identique des deux côtés, parce que après, quand on plie. Voilà, il faut que ça vienne se rejoindre, voyez, comme ça. Voilà. Donc on plie bien. Donc on le plie, voyez, comme ça. Comme ça, l'ouverture, elle est, voilà, comme ça, hein.
Voilà. Bon, on va faire la même chose hein, sur les quatre. Hein. Donc, je vais pas, hein, comme je vous disais, je n'avais plus, comment, j'ai plus de papier imprimé pour faire les petites fleurs. Donc, c'est pour ça que je vous ai juste montré sur une aile, en fait. Hein. Que toujours le centre soit bien, voyez, comme ça. Hein. Voilà, ça se plie voilà, comme ça. Et pareil. Voilà. Voilà. Et hop, voilà. Alors donc, on a nos quatre papillons. Alors, on va prendre notre colle. Alors, cette colle-là, entre parenthèses, c'est parce que j'en ai plus. Je l'avais utilisée dernièrement, je trouvais qu'elle était pas mal. Et comment dire, ça fait. Enfin, je l'avais utilisée, après je n'utilisais plus et tout. Enfin bref. Et donc, bah, j'ai mis la colle de chez Action, comment on appelle ça? La taquiglue, et je suis venue donc la mettre dans ce flacon-là. Vous voyez donc ce que j'aimais bien ce flacon. Et voilà. Hop. Donc sinon, c'est la colle de chez Action. Alors, on va mettre de la colle. Donc, vous voyez, on le plie. Hein, on va mettre de la colle ici. On prend le deuxième papillon et on met de la colle ici. Là. Hein, sur cette partie-là. Alors. Ah! Oh, bah non. Non, c'est rien. C'est pas grave. Non, non, c'est rien. Nathalie, est-ce que tu peux arrêter de faire des cris comme ça, là? Ben oui, je sais, mais c'est pas de ma faute, hein? Au fait. Vous savez, quand j'ai. Comment dire? J'avais, la semaine dernière, j'avais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un hall, une ose, j'avais acheté un diamant de painting à DP, quoi. Et puis, puis la semaine dernière, ou je sais plus, moi, j'en sais rien, hein, je ne sais plus combien de temps, je l'ai fait. J'étais dans mon canapé, tout ça, et puis voilà, voilà j'étais devant la télé, tout ça, puis je m'amusais en fait à faire le DP, et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, mais j'avais déjà essayé une fois sur un petit kit que j'avais acheté, Action, attendez, tout en vous parlant, donc vous voyez, hop, on obtient ça, voilà, on tourne, et ici, on va mettre de la colle ici, hein, et on va mettre de la colle comme ça, donc ici, et ici, hein, la colle là et la colle ici. Comme ça, on va venir donc coller comme ça. Hein. Et donc, j'avais trouvé que c'était vraiment sympa. Je trouve que ça relaxe. Enfin, c'est vraiment agréable. Voilà, c'est très agréable. Bon. Et puis, c'est tout. Je me suis même dit, bah tiens, quand je retournerai à Noz, bah tiens, si j'en retrouve, j'en achèterai. Ouais, comme ça. Bon, voilà. Et puis j'ai reçu un email, ou je ne sais pas à quel moment, hein, quand j'en sais rien. Hein. Donc non, c'est pas la semaine dernière que j'ai dû le faire. Hein. Moi, j'ai plus la notion du temps et des moments, je vous assure. Hein. Je sais plus. Enfin bref, toujours est-il que j'ai reçu un email. Quand, je ne sais plus, mais j'ai reçu un email. Et voilà, donc pour un partenariat, pour un DP justement. J'ai trouvé, oh, mais juste ça, c'est trop rigolo, quoi, parce que c'est vrai que j'envisageais d'en acheter un. Bon, enfin, là, c'est un partenariat, donc je ne l'achète pas. Il me l'offre, hein, gentiment. Hein. Et donc, voilà, donc ça, c'est collé. Et vous voyez, ici, maintenant, comme c'est le dernier, on va mettre de la colle ici, et la colle là, des deux côtés. Hein. Et puis, on va venir donc le coller, comme ça. J'espère que vous voyez bien, quand même. Hein. Ouais, toc, voilà. Et du coup, alors, il est plein. Plein de modèles, plein, plein. Je les ai tous regardés, les uns après les autres, quoi. Et comment dire? Et j'ai choisi. Attends, je vais me mettre comme ça, ouais. Et j'ai choisi. Attendez, je vous montre. Attendez, hein, parce que je vous montre quand même. Alors, voyez, donc j'ai mis la colle là, comme ça. Et je mets la colle des deux côtés. Et voyez, pour que ça va. En fait, il faut à chaque fois que comment dirais-je, le pli du papillon, il soit toujours, vous voyez, hein, c'est ça, hein, voilà. Et donc, j'ai choisi en fait un, c'est rigolo parce que
il y a un vélo dedans. Moi, je vous ai dit, hein, j'adore les vélos, j'adore les vélos. Bon, enfin bref. Et il y a une boutique dans les tons de rose. Il est trop magnifique. Ah ouais. Donc, bah, évidemment, je ferai une vidéo partenariat, hein, c'est sûr, hein. Et puis, puis je vous montrerai, quoi. Ah ouais. Alors, j'ai pas dit que j'allais faire du DP tous les jours. Hein. Non. Et je non je non 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 mais de temps en temps, vous savez, quand des fois on est devant la télé, on regarde un film et tout, ben je trouve que c'est sympa, enfin moi j'aime bien franchement, ouais voilà, mais je deviendrai pas non je deviendrai pas accro, je pense pas, non, parce que c'est super agréable, ça c'est super tout ce qu'on veut. J'adore, c'est relaxant, mais voilà quoi. Ouais. Mais enfin, je suis contente, vraiment, je suis super contente. Bon, enfin voilà, donc voyez notre papillon, il est fait. Donc maintenant, bah, il nous reste, on va mettre des pistils. Bon, la colle, j'en ai plus besoin parce que de toute façon, je vais prendre le double face. Alors, je vais prendre un petit morceau. Hop là. Je vais prendre un petit morceau de double face comme ça. Hein. C'est vraiment. C'est juste pour coller mes pistils. Ah, je pensais à ça. Attends. Alors, admettons pour coller les pistils, vous voyez, ici, on va dire que c'est le devant. Et ici, on va dire derrière, quoi. Bon, bah moi, les pistils, je les colle derrière. Vous voyez? Il est même un peu trop grand, mon truc. Ouais, bon, allez. Si je coule, n'importe quoi. Si je coupe trop petit, ça va pas. Donc, vous voyez, j'ai mis mon petit morceau de double face. Il va falloir vraiment que je retourne pour les lunettes, là, parce que là, je vous assure, je suis ennuyée. J'ai l'impression que vous ne voyez pas, parce que je vois même pas bien ce que je fais. Bon, voyez les pistils. Alors ça, c'est des pistils que j'avais achetés sur AliExpress. Ça fait un bon petit moment. Ouais, ça fait longtemps quand même. Mais j'en avais aussi acheté sur Action. C'était tous des petits paquets comme ça. Vous savez? On avait toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Mais bon, moi, j'avais pris tout dans les tons de couleur un peu chocolat, on va dire. Enfin, marron, quoi, chocolat. Alors, donc, bah, moi, je vais en prendre que 4, hein, tout simplement. Donc, je vais les couper en deux. Alors, une, deux, ouais, quatre pistils, c'est bien. C'est pas la peine. Voilà. Ah non, je vais mettre des roses. Mais oui, je veux des roses. Donc, je vais les couper en deux, puis après, je vais les recouper encore un bout parce que je veux que les pistils soient petits. Donc, là. Je sais plus ce que j'étais en train de dire en plus. C'est pas grave. Je ne me rappelle le plus. Ah oui! Oh non, mais il y a encore autre chose que j'étais en train de dire. Bon, je ne sais plus. Enfin bref, vous savez, comment dire, pour mon concours, là. Ah, je suis super contente de vous faire plaisir. Ah ouais, trop contente. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah, maintenant, vous voyez, regardez, j'ai mis mon petit. J'ai coupé, pardon, mes petits pistils. Alors, on va pas. Je veux pas qu'ils soient. Oh, j'ai du mal avec le double face, moi. Je vous assure, franchement, il y a des moments, c'est un truc. C'est fou quand même. Et je vous montrerai. Bon, je pense que je vous montrerai le mois prochain. C'est pas la peine que je vous fasse une vidéo dans une semaine pour dire, tiens, je vais vous mettre ça, je vais vous mettre ça. Non, hein. Donc, mais je vais. De toute façon, je vous avais dit, hein. Bon, c'est pas maintenant que je vais retourner à Noz, hein. Je vous le dis franchement. Non. Mais quand j'y retournerai, que je retrouve encore des choses, évidemment. Mais j'ai aussi, pendant un moment, on trouvait à Action des cutters. Bon, celui-là, c'est pas grave, j'arrive pas à le mettre, c'est rien. On trouvait des cutters circulaires. Vous voyez, regardez, avec les petits pistils. Donc, on trouvait des cutters circulaires. Bah, ma Nathalie, ça fait 2 fois que tu le dis. Ben, ouais. Et du coup, voilà, je vous en mettrai un aussi parce que je trouve que c'est sympa. Et puis, voilà, ça. C'est bien, c'est. Ouais. Donc voilà. Toc, toc, toc. Allez. Toc, toc, pouet, pouet. Bon, voilà. Alors maintenant. Bon, bah, il est fait, hein. On va dire qu'il est terminé. Hein. À part que, bon, je sais pas, il faut rajouter des fleurs ici. Hein. J'en mets que deux par aile.
Voilà, tout ça. Bon. Alors, maintenant, alors, pour la tâche, quand vous avez terminé votre papillon, attendez, il faut que je retire ça parce que, voilà. Quand vous avez terminé votre papillon, vous mettez, alors vous voyez par exemple ici, j'ai mis du satin. Voilà, du satin. On peut, si on veut, mettre, pourquoi pas, hein, ça c'est du coton qui vient d'Action. On peut mettre du coton. Alors, moi j'ai pris du froufrou. Alors, le froufrou, ce que je vais dire, le problème, entre guillemets, c'est que vous voyez, ça tourne. Hein, on va dire, ça tournicote un petit peu. Alors, surtout, moi, je l'ai collé au pistolet à colle chaude. Voilà. Si vous voulez avoir un joli rendu et éviter que le papillon bascule en avant ou autre, vous voyez que ça tombe un petit peu en avant, tout ça. Ce qu'il faut impérativement faire, c'est bien, bien, bien lisser votre. Voyez, voilà. Il faut qu'il soit impérativement bien droit. Comme ça, vous allez pouvoir bien mettre la colle sur votre. Voilà, parce que moi j'ai mis la colle sur le papillon et après je suis venue. Je vais vous montrer comme ça, en fait. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien. Comment? Bien lisse. Parce que si votre froufrou n'est pas bien lisse comme ça va, comment dire, ça va faire une petite bosse, voyez, et automatiquement le papillon il risque soit de pencher un petit peu en avant, voyez. Donc faut vraiment qu'il soit bien bien lisse parce que vous voyez si celui-ci il n'a pas été fait correctement, celui-ci, le dernier là, voyez. C'est pour ça que je vous en parle, parce que ça m'est arrivé justement. Donc j'ai dû le décoller et le recoller. Vous voyez? Et donc je me suis dit ça, je vais absolument vous le dire, parce que, vous voyez, ça tourne, hein, il tourne. J'aurais dû le lisser un petit peu plus. Bon, bah tant pis, de toute façon, maintenant c'est fait. Mais bon, voilà, pour que vous évitez de vous que ça se produise. Hein. Donc surtout, si vous prenez ça, eh bien voilà, vous lissez bien. Maintenant, si c'est juste. Un petit, alors là, si vous prenez, admettons, du coton, bah alors là, ça va aller hein, parfaitement, puisque bon, c'est bien lisse, quoi. Hein? Enfin, voilà. Donc, mon petit tuto est terminé. Je vous la remontre comme ça, hein, tant qu'à faire. Hop là, je vais tout faire tomber. Ouais, bah, ça, c'est moi, hein, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien voir. Voilà, donc mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un agréable moment avec vous, hein, que vous le savez, hein, je vous le dis toujours, hein. Comme à chaque fois. On va se retrouver donc pour une balle, la prochaine vidéo. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais mettre ma vidéo donc après. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Je vous remercie. Oui. Je vous remercie donc, bah, comme je vous dis à chaque fois, à chacune de mes vidéos, je vous remercie du fond du cœur pour tout cet amour que vous pouvez me donner, pour toute cette gentillesse. Bah, écoutez, c'est énorme, hein, je vous le dis à chaque fois, c'est énorme. Vous êtes des petits amours sucrés, quoi. Vous êtes. Ah ouais, non, vous êtes formidable, quoi. Y a pas de mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Donc voilà. Donc encore merci, encore un grand, 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 grand merci. Et puis voilà. Puis je suis contente aussi ben, que voilà, vous participiez au concours. Voilà, moi, ça me tient vraiment à cœur de vous faire plaisir. Donc voilà. Et puis voilà, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Donc merci encore à vous. Et puis donc on se retrouve. Ben ouais, non, mais je viens de le dire. Oh là là. Non, mais des fois à la fin de la vidéo comme ça j'ai plus envie de vous quitter donc j'ai envie de dire ceci je pense à ça gna, 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 gna. Donc Nathalie voilà hein t'as assez blablaté bon voilà allez encore merci du fond du cœur et je vous dis à très très vite et je vous fais des énormes et des énormes et des énormes gros 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 bisous d'amour à très très vite bisous bisous.